Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Joyeux lundi à tout un chacun, joyeux lundi à tous. Vous savez que pour réussir, je dirais l'art de la réussite, c'est de s'entourer des meilleures personnes. Ouais. Et si aujourd'hui le Mac 12 est le meilleur des talk shows du paysage de l'audiovisuel burkinabé, c'est grâce à vous. Et pour ce début de week-end, nous avons décidé de vous montrer notre reconnaissance, vous montrer à quel point nous sommes reconnaissants, à quel point nous vous soyons, nous allons vous être, on va dire quoi, fidèles éternellement. Oui, clairement. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui incursion chez vous avec des âmes telles que la culture art. L'instant métier, bon, ça c'est à voir hein, ouais. Parce que c'est pas sûr que bon, sur le timing nous permet, mais une chose est sûre, il y aura l'instant invité, il y aura le frigo de Karpala qui a mis ses soubrelles. La présidente de Topato est déjà dans les loges, elle est en train de se préparer, chercher ses armes, elle portait ses ceintures quand l'émission démarrait. Elle a serré, elle a très serré. C'est dit que le frigo sera très chaud aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour la touche de folie, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Ce qui signifie que la folie sera toujours au rendez-vous. Bien le bonjour chez vous. Bonjour, rendez-vous, c'est la tradition de cette émission. Voilà, donc on est ensemble, bonne arrivée, c'est déjà lundi, c'est la reprise. Nous, en tout cas, on est heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver en cette 19e semaine. Jolie et excellente semaine, pleine de grâce également, d'épanouissement. Vive le Mac 12, vive True TV. Le Mac 12, c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Allez, un week-end assez paisible, dominé par la nuit du destin. Est-ce qu'il y a eu d'autres instants qui ont marqué ce week-end-là, qui ont marqué la semaine dernière? La réponse maintenant avec Jacken dans l'instant culture art. Alors, Mister Culture, oui. Est-ce qu'il y a des événements qui ont marqué le week-end à part la nuit du destin? Oui, c'est vrai qu'au cours de cette semaine, on a eu la nuit du destin, mais il faut dire qu'en plus de ça, il y a eu pas mal d'événements qui ont jalonné justement l'univers discographique et artistique ici au pays des hommes intègres. On commence déjà avec la première édition du Festival des livres de jeunesse. Eh bien, c'est un événement qui s'est tenu du 6 au 8 mai dernier. Et c'est un concept de l'association Institution Communautaire Changer de Vie, en abrégé ICCM Nazemc, autant pour moi. Eh bien, c'est un événement qui a été marqué par une exposition de livres gérés par des bibliothécaires, des libraires, mais aussi des écrivains. Et on a vu aussi une conférence sur le thème de cette année, qui est Livre de Jeunesse, Éducation et Culture. Vous savez, cette conférence a été animée par Madame Bernadette Daou, l'une des, j'allais dire, des doyennes en ce qui concerne l'écriture des livres, les livres de jeunesse. Bravo déjà, ça a été une très très belle conférence. Et on a vu aussi une nuit des contes animée par Oliva et Sally, les conteuses. Et on a vu aussi, et surtout des séances de lecture qui ont été animées par les enfants. Donc, c'est tant d'autres activités qui ont jalonné cette première édition du Festival des livres de jeunesse. Il faut dire que toutes ces activités-là ont été menées pour donner en fait le sens. Ça a été dans l'optique d'attirer en réalité l'attention de tous sur la nécessité de donner une place de choix à la lecture de jeunesse. Maintenant, cela se fait comment? On peut ne pas faire cela de façon forcée ou de façon obligée, parce que ça peut ne pas intéresser les gens, les enfants, mais on peut le faire de façon ludique, de façon à amuser les enfants, mais en même temps à éduquer. En tout cas, very good. Alors, la cérémonie de clôture a été marquée par des prestations, dont celle-là de Sana Bob que nous voyons en extrait. Et vive
vivre ensemble Sana Bob lors du festival de livres de jeunesse première édition. Sortie discographique, elle est de l'artiste King Rasteva et ça a eu lieu le vendredi 7 mai dernier du côté de l'Institut français. Alors c'est une œuvre musicale de 7 titres intitulée Intégrité. Eh bien c'est chanté en djoula, en moré, en français et en anglais. Et comme toute œuvre rasta, toute œuvre reggae, on ne manquerait pas de dénoncer. Donc cet album traite de travail, de culture africaine, de pauvreté, de patriotisme et de bien d'autres thématiques. Et dans cet album, il y a un titre qui a été clippé et qui me plaît très bien, que nous allons vous inviter à voir un extrait, c'est Ghetto. Suivez. Ghetto, extrait du nouvel album Intégrité de l'artiste King Rasteva. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci. Merci aussi, de Jackie. Rien, de rien. Mais le dernier clip, va y aller. Ghetto. Ce sont les réalités que nous vivons au quotidien. Nous sommes le fils du ghetto. Ouais. Quand on attend franchement, la le clip me réel. C'est ghetto. Vous avez vu leur puissance vocale. Ouais, ça c'est une jamaïcaine. Tu ne m'y attendais pas en fait. C'est la jamaïcaine. Non, attendez, c'est parce que Lynn entre. Est-ce que tu as compris ce que Lynn dit en fait? Explique-moi. Non, on ne va pas expliquer. C'est bon. On a déjà vu. C'est bon. Alors, fin de l'instant culture aujourd'hui. Les amoureux de la culture, on se donnera rendez-vous quoi, jeudi ou lundi prochain? Ouais, lundi prochain. De toute façon, tout dépendra. Jeudi de façon thématique et lundi pour le récap. Maintenant, tout dépendra parce qu'actuellement, il y a la fête, on ne sait pas quand est-ce. Non, mais c'est juste si actuellement tout le monde pleure, tout le monde espère au fait que la fête sera mercredi. Comme ça, jeudi, on va bénéficier de deux fériés. Bon, c'est vrai, en même temps, nous, on n'a pas de fériés, mais bon. Tiens, au moins, il y aura plus de personnes dans la maison et puis qui pourront mieux suivre. Allez. En réalité, Lynn ne parle, toi, tu ne parles pas pour toi, tu parles pour tes téléspectateurs. En exactement. Fait. Parce que le férié, en même temps, en télé, ça n'existe sinon, pas. Sinon, on a une émission spéciale. Là. C'est pour dire qu'on a une émission spéciale Ramadan. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera réalisée. Si en c'est fonction. Le mercredi, si c'est le jeudi, c'est quoi, c'est un peu. Bon, en tout cas, cette émission sera réalisée, voilà, une chose clairement. Est sûre. Alors, Chic et Choc sera notre instant invité aujourd'hui, car nous recevons deux étoiles. Oui, l'une évolue, parce que j'ai dit une étoile. Ouais, pardon, ouais. Les coups de drame, s'il vous plaît. L'une évolue. C'est arrivé, c'est bon. J'aime pas ça. L'une évolue dans l'afrobeat, dans la variété, et l'autre, elle évolue dans le reggae. Ouais. Voilà. Bon, on va revenir au masculin parce qu'on reçoit des hommes. Donc, si je reste autour dans l'une, l'un. On pensait que c'est que ce sont les femmes qui viennent. Ce sont des femmes, non. Ce sont des hommes. Voilà, c'est deux hommes, deux chanteurs qui évoquent leur domaine de prédilection, c'est la musique. Ouais. Alors, Tubo 226 ou encore Tubo 226 et Tedden. Voilà, Tedman, Golden sont nos invités du jour. Et pendant qu'ils s'installent, on va savourer ensemble l'une des merveilles de Tedman, Golden. I go into Babylon, I'm coming into Zion.
Il y a certains qui ont commencé à s'oublier. Vous savez bien, on a l'orée du 11 mai. Ouais. Donc il y a certains. Boom, fire! Fireball! Fire, yeah! Allez, ils sont installés, nos invités, on les retrouve maintenant. Assez free, assez relax. Est-ce que je suis encore, il y a certains qui n'ont pas encore repris goût à la semaine. Donc je disais, bon, je profite un peu encore du lit, c'est tout ça. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Allez, l'argent ne se trouve pas dans le lit, dans tout le monde. Allez, debout, c'est l'heure de travailler. C'est l'heure surtout de la détente. Et le McDo, c'est la meilleure des pauses en télé. Aujourd'hui, on reçoit Tedman Golden qui nous vient tout droit du Nigeria. Yeah, bonjour. Come and welcome. Thank you. Yeah. Thank you very much. Alors, il est l'auteur du titre que nous venons de voir tout à l'heure. Rasta Never Give Up. Rasta Never Give Up. Tu sais, il y en a beaucoup, les faux Rasta dans les pays. Ah bon? Il y en a un bon Rasta, il y en a faux Rasta. D'accord. Mon message pour les vrais Rasta dit, ne baisse pas les bras. Pour continuer, même si tu fais quelque chose, les gens écrutisent, tu fais qui est bon, les gens écrutisent. Parce que si tu es un Rasta, spécialement si tu es Rasta dreadlocks, people look at, les gens te regardent comme fou. So, c'est pas voilà, si tu es dreadlock, faut faire très attention parce que tout ce que tu fais, les gens te regardent. Oui. Parce que tu as fait petit erreur de tu es volé. Oui. Moi, je suis dreadlock, Rasta, 1 mètre long. 1 mètre 3. Oh, voilà. C'est à cause de. J'ai rentré dans ce pays, je cherche à travailler. D'accord. Un jour, j'ai parti chercher à travailler. Les directeurs, regardez, les fous, il faut le dire, il n'est pas là. Parce que tu avais des dreadlocks. Ouais, c'est aussi long. Le temps là, il souffre. Parce que si tu es un rassemblement avec dreadlock, tu n'es pas bon, quelque chose tu fais. Oui. Tu n'es pas différent. Tu as avec les fous, c'est méchant. Tu n'es pas différent. Des fous. Oui, parce que les gens regardent, toi, c'est un fou. Bah, il n'est pas fou. Aussi, qualifié, toi, comme fou. Mm-hmm. Bon, tu n'es pas fou. D'accord. Moi, j'ai levé mon dreadlock parce que je sais qu'est-ce que je cherche. Mais là, tu as abandonné les cheveux, hein, alors que tu dis qu'un Rasta n'abandonne pas. Non, Rasta m'a abandonné les cheveux. Cheveux, ce n'est pas le symbole de Rasta. Okay. Rasta, c'est. Oui, si tu dis que tu es un Rastaman, tu ne connais pas dire si tu es faux Rastaman. Ah bon, d'accord. Ouais, si tu es un Rastaman, tu ne connais pas Rib Bip. Ouais. Tu es faux Rastaman. Mm-hmm. Rasta, c'est comme. Qu'est-ce que je veux. Comment je veux dire Righteousness. Oh, righteousness. Ouais. Si tu n'es pas le cœur de Dieu, tu n'es pas cœur pour pitié. Ici, je vois les Rastas qui vont pour partir voler un poulet au village. Et te frappe. Et dit tous les Rastas. Non, c'est pas ça. Si tu es un Rastaman, il faut faire très attention. Okay. Ne pas faire tout ton dreadlock. Fais-toi. Les gens vont dire tu es ça. Tu es là-bas. Alors, on comprend bien. Alors, ouais. Au Nigeria, ce n'est pas original. Le Rasta, c'est par chose commune. Donc, chez vous, vous avez une musique très particulière chez vous, la musique tradie et tout ça. Yeah. Toi, pourquoi tu as viré l'afrobeat pour yes, afrobeat. Tu sais, je suis dans le milieu de reggae depuis le temps que je suis petit. Okay. Ma mère, mon père,
père, mon frère, grand frère, tout, ouais, dans le reggae. D'accord. Aussi, j'ai voyagé beaucoup. Oh. J'ai voyagé beaucoup. J'ai rentré le pays caribéen beaucoup, mixé avec des Jamaïques. Je suis une personne qui j'ai voyagé beaucoup, vraiment. Tu as voyagé beaucoup comme moi. Moi, j'ai fait beaucoup. Voilà, Fada, Dori. À la recherche d'apprentissage. Voilà, des musiciens à la recherche là-dedans. Je suis petit, 18 ans, j'ai commencé. Caché dans les bateaux, ouais. Et voyager. Ça, ah. Sans papier, me retourne encore. Ah oui? J'ai souffré trop. À cause de chercher l'argent, cherche pour connaître la vie. Ouais. Parce que je suis avec mon frère, le général de l'armée. Tout le temps, on joue reggae. Reggae, j'ai commencé juste le Jimmy Cliff, wow. Desmond Dekker, wow. Tout Sandy Meters, Gregory Isaac. Peter Tosh, je n'ai jamais aimé Peter Tosh, Bob Marley. Pourquoi? Attends, parce que mon frère est un peu personne qui fait ça. Bon, Peter Tosh, j'aime de lui, il fait Barjouana. C'est quelqu'un qui ne paie pas. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui est paresseux. Je n'aime pas quelqu'un qui est très, très au milieu des femmes. Ah, bon, Mali, c'est. Bon, voilà, j'aime pas des. J'aime des femmes. Moi, j'aime des femmes. Bon, garçon, bon, voilà, j'ai pas, même pas le choix. J'aime pas personne qui est très de profondeur dans les femmes. Parce que c'est ça qui a mes problèmes. Ah, d'accord, alors voilà. C'est bien noté. Voilà. Elle, à des côtés, on retrouve à Tubo 226. Ah, ça va? On n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui. Tu vois, moi, j'ai un truc que je sais pas, j'arrive pas à capter chez toi. Ok. C'est dit que. Un bon petit bobolet, le moins qu'il chante, ouais. C'est Alex Roman. Et toi, on retrouve, si on doit considérer ta musique comme une, de la crème glacée, okay. Moi, je vois, le parfum, tu vois, le parfum anglo, tu vois, en quoi est-ce que ça embellit ta glace, au fait? Oui, tout à fait. Au fait, c'est d'abord faciliter l'exportation de notre musique ailleurs. Parce que pour conquérir la scène internationale, il y a des styles de musique et tout qu'il faut aborder. Okay. Comme si on le remarque au Nigeria, d'abord, ils n'ont pas commencé à mettre leur musique en avant quand ils ont commencé à conquérir le monde. Ils ont commencé à faire des musiques, c'est-à-dire ils ont commencé à faire de la world music. Si je prends un exemple sur les pisques, au départ, quand on voyait les pisques, on avait l'impression que c'était des Américains. Forcément. Mais après, on a constaté que c'était des Nigériens. Quelques années plus tard, ils ont commencé maintenant à montrer le côté traditionnel de leur pays, c'est-à-dire à travers les vêtements qu'ils portent et tout, et puis les différents instruments et tout qu'ils ont commencé à insérer dans leur musique. Donc moi, dans ma vibe, c'est d'abord internationaliser la musique du Burkina Faso, avant de revenir montrer à la source. Parce que c'est pas que notre source n'a pas de force, mais pour combattre, c'est-à-dire les autres pays qui ont vraiment du poids avec leur culture qu'ils ont pu mettre en avant, c'est pas facile. Donc il faut se fondre d'abord dans la masse avant d'avancer avec ces. Et parlant de fondre dans la masse, tu as choisi le dancehall, Afro-dancehall, oui. Pourquoi? Comment on découvre ce style musical? Bon, je découvre ce style musical à travers par quelques inspirations de nos artistes burkinabés d'abord qui ont commencé à faire de la dancehall à travers Klecto Gang. Trajème Régiment, Nick Dombi, voilà, c'est les gars qui ont commencé à faire la dancehall depuis tout petit, donc c'est les gars qui m'ont beaucoup inspiré. Ensuite, je me suis dirigé un peu vers la Jamaïque où j'ai découvert beaucoup d'artistes vraiment qui sont des pionniers mondiaux même de cette musique là. Donc c'est tout que... cela m'a inspiré en fait. Alors, sur ton album, on retrouve deux titres, yeah. Le Show Faso volume 1, Show Faso volume 2. Oui. C'est nous, parfois, on est un peu décalé par ici et on a osé se demander, mais est-ce que c'est pas parce que le manque, il n'y avait pas d'inspiration, tu vois? Bon, comme il n'y a pas d'inspiration et que le son là même là, on fait trois même, tu vois, on fait le remix, après on trouve le besoin de remix. Non, c'est loin de là. En fait, Show Faso, le volume 1, on l'a fait en featuring. Voilà, on l'a fait en featuring avec la Miss Bobo Dulasso, la Miss Sia 2011. Voilà, donc quand elle a été lauréate, donc le jury m'a approché pour essayer de voir dans quelle mesure on peut faire une musique ensemble. Donc c'est à cela qu'on a fait Show Faso volume 1. Voilà, lorsqu'on a fait le volume 1, on a fait une promo dessus, mais ça n'a pas eu un succès qu'on voulait. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un volume 2 de cette chanson? Donc c'est à cela qu'on a fait le volume 2. Sinon, c'est pas par manque d'inspiration. C'est le volume 2 qui est plus connu. Sinon, le volume 1 aussi est là. D'accord. Et pourquoi José? José. Oui.
Josée, c'est la Miss en question. Ah, ok. Miss Yaroubou. Oui. Non, moi, je veux savoir, en fait, pourquoi faire le feat avec elle, au fait? Pourquoi? Parce que c'est une Miss. Ouais, tu vois un peu le feeling, tu cherches ton argent quand tu fais ta musique. Oui, tout à fait. Tu vois un peu mes oui, en fait, nous, les artistes, on est permanemment à la recherche d'images. J'étais dans une ville où je commençais doucement la musique. Et elle aussi, elle avait eu un certain image à travers la notoriété qu'elle avait eue. D'accord. Parce qu'elle a été Missia. Donc moi, je cherchais une image. Donc voilà pourquoi on a essayé de faire la collaboration, pour casser les codes, au fait. D'accord. Voilà. Alors pour le modèle de commun, tu vois, t'es plus connu comme bon danseur. Quand on parle de tubo, c'est la danse, tu vois, c'est le truc. C'était les battles. Tu vois un peu le truc. Moi, je te demande, pour la musique, là, t'es venu chercher quoi d'état? Tu veux pas rester derrière? Je suis là, c'est la qualité. Non, c'est... Il y a trop de problèmes dans la musique. En tout cas, c'est pas simple. La danse aussi n'est pas facile, parce que c'est de l'art. Oui. Il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, l'art souffre un peu. Voilà, je dirais que ça souffre un peu parce que, bon, un artiste d'abord, c'est la reconnaissance de ses œuvres d'abord, avant de passer au côté argent. Mais moi, j'étais danseur. Après le fait de monter chaque fois sur la scène, donc je me suis dit pourquoi ne pas, c'est-à-dire de me jeter aussi dans la musique. Voilà, mais ça ne veut pas dire que j'ai laissé la danse. Si vous remarquez dans mon dernier clip, Chériane, il y a une partie où on essaie de faire juste une petite chorégraphie. Oui. Donc ça veut dire que bon, je porte toujours les deux casquettes. Alors comment s'est faite votre éducation à la musique? Là, je vais avant que tu me répondes, je vais poser la question à Tedman. Alors, l'éducation à la musique, l'apprentissage à la musique, comment elle s'est fait? C'est vrai, tu écoutais beaucoup de musique avant, Jimmy Cliff, etc. Mais comment tu as appris à chanter pour être un très bon chanteur toi-même? J'ai commencé le temps que je suis très petit. Parce que mon grand frère, Gaël, j'étais à la maison. D'accord. On joue ça tout un. Il me force pour chanter. D'accord. Ah bon. Si tu chantes, je dis, ton voix est bonne pour chanter reggae. C'est comme ça. J'ai commencé petit, à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à chanter. Après, et ça, j'ai rentré primary school. J'ai tourné DJ à l'école. Le temps que j'ai fini secondary school, je suis DJ. Le temps que je rentre à l'université, je suis DJ. So, dans le campus, je suis DJ. DJ avec danseur, reggae danseur. J'ai spécialisé les danseurs avec reggae. D'accord. Le projet que je viens de voir Rasta Never Give Up, c'est pas de la pure dancehall. Moi, je veux que tu nous dises comment tu qualifies également ce style musical. Yes. Tu sais, Rasta Never Give Up, je fais sa référence pour moi-même. Ok. Parce que tout ce que j'ai passé, j'ai utilisé ça pour faire le message pour tous les restants. Ne pas regarder tout ce que tu passes dans la vie. Après, tu vas dire, j'ai fatigué, j'ai fait le reggae depuis le temps, je ne vais pas faire encore, j'ai fatigué parce que les gens Non, mais en fait, on parle de style. Il ne parle pas de la chanson, ce qu'il dit. Tu fais un reggae que tu décris, reggae dub. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, reggae dub? Ok. It's not reggae dub, rob dub. Rob dub, c'est une musique différente, c'est un grand rank, top rank de reggae. Ok, le rang, high grade. Okay. C'est une musique que j'ai commencé à créer. J'ai fait recherche, quelle musique qui va marcher pour moi ici. Okay. Alors, si tu joues, il y en a que j'ai sorti avant, Know Where You Belong, I'm On My Way Home. Si tu as regardé les vidéoclips avec les Ritty là-bas, c'est pas mes choses. J'ai fait recherche pour connaître quelle musique les gens aiment. Aujourd'hui, je vois dans le Facebook, les gens m'appellent, ne pas charger, ça reading, c'est bon. Maintenant, j'ai commencé à faire mon studio pour commencer à créer le Rob Dor Special Band. D'accord. Alors, on va revenir à Tubo. Voilà. Comment s'est fait ton éducation à la musique? Mon éducation à la musique s'est fait d'abord à la famille, parce que chez nous, il y a des artistes. Voilà, il y a mon oncle d'abord qui est artiste, Koulous, que le peuple burkinabé connaît bien. Citoyen libre, voilà. Voilà, donc c'est mon oncle, c'est le grand frère directeur à maman. Et puis, il y a mon grand frère aussi qui faisait le rap.
lui il était plus dans le rap. Donc le fait d'être proche, j'étais plus proche de mon grand frère au fait. Donc tout cela m'a inspiré. Mais moi particulièrement, j'ai pas appris la musique quelque part. C'est à travers, j'ai commencé peut-être avec les interprétations et tout. Mais après, je compose mes chansons moi-même. Voilà. Merci pour la question. Merci, on va dire, pour l'ouverture. Oui. Moi, je veux savoir. Alors, quand tu arrives au studio, la toute première fois au studio, comment ça se passe? On met l'instru. Qu'est-ce qui était plus difficile, l'écriture du texte ou la conception de l'instru? Au fait, si l'artiste est déjà inspiré, qu'il a déjà écrit ses paroles, qu'il a déjà composé, il a déjà composé sa musique, donc l'arrangeur va se baser sur ce qu'il fait sortir, ce que l'artiste fait ressortir, c'est sur ça que l'arrangeur va se baser et puis composer l'instru. Mais je pense que c'est moi particulièrement, c'est en écriture, voilà, parce que pour composer avec les vibes, en écoutant beaucoup de la musique, tu peux facilement composer, mais c'est l'écriture. Parce que l'écriture demande beaucoup de concentration et puis ça demande l'étude des mœurs de plusieurs personnes peut-être qui te suivent. Donc l'écriture n'est pas facile. Et ton premier son, comment l'inspire venu? C'était, je rentrais pour dire, bon, je marchais, j'écoutais la musique. Bon, comme j'ai écouté Jacken qui chantait, je rentre au studio et dis, mon gars! Et puis, là, il s'identifie à certains artistes jamaïcains. Moi, par exemple, moi particulièrement, c'est l'artiste jamaïcain Gypsyan. Voilà, j'ai écouté sa chanson All You. Voilà, après ça, je me suis inspiré. Donc, j'ai essayé de composer les paroles et j'ai repris dans sa gamme. Oh, ma baby girl, écoute-moi. S'il te plaît, je dis, écoute-moi. Écoute-moi, faut que je t'explique mon incroyable amour pour toi. Donc, du coup, j'ai composé les paroles et j'ai adapté à la gamme que lui, il avait déjà posée. D'accord. Voilà, c'était ça le départ. D'accord. Voilà. Sinon, Tedman, toi, qu'est-ce qui est plus difficile chez toi? L'écriture ou la conception de l'instru? Il n'y a pas quelque chose qui est difficile pour moi en musique. Ça vient tac, 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 quoi. Il y en a ça, même qui est aux toilettes, aux douches, il vient comme ça. Il prend mon portable, il chante, il enregistre, c'est fini. Dès le lendemain, je suis au studio. Beaucoup qualifient également ces personnes qui font votre style de musique de fumeur, de crack et tout ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le Jamaïcain, c'est la coloration, hein, vous savez très bien. Moi, tu dis Beaucoup. pense que vous êtes des fumeurs. Voilà. Voilà, que c'est la fumée qui vous donne de l'inspiration. Je t'ai dit, merci, tu as posé cette question. C'est ça, j'ai dit tous les rassemblements que Fissa, c'est pas ça qui donne l'inspiration. Il faut fumer. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne dérange pas quelqu'un qui est fumé. Si tu fumes ici, je ne me dérange pas. Parce que j'ai grandi de famille de catholiques. J'ai grandi avec un frère, mais qui ne veut pas te donner, toi, une minute pour dire que tu es libre. Et tu regardes tout ce que tu fais. Je ne fume pas. Moi, je bois. Si je bois, passer une bouteille, tu vas voir tout ce qui va m'arriver tout de suite. Parce que je n'ai pas quelque chose pour ajoute mon naturel. Je suis naturel. Naturellement, tu es déjà bouillon, tu es déjà chaud. Non, toi, est-ce que tu as touché les trucs? Même avant de monter sur scène, bon, souvent. Non, moi particulièrement, je ne touche à rien. Souvent, quand je monte sur la scène, les gens me disent, qu'est-ce que tu as pris avant de monter? Je dis non. Parce que quand moi, je monte sur la scène, c'est un autre état d'esprit que je me mets. Je me mets, au fait, dans l'ambiance du public. Mais qu'est-ce qui vous inspire, effectivement, à vous donner sur scène? Bon, c'est de pouvoir satisfaire mon public et ceux qui ont peut-être effectué de longs déplacements. Par exemple, tu peux dire que tu as ton concert à Bobo du Lasso, quelqu'un va quitter Banfora pour venir te suivre à Bobo. Et pourquoi toi, tu vas monter sur la scène et puis te jouer les nazes? Voilà, c'est pas cool, quoi. Donc moi, je me mets dans l'état d'esprit, au fait, de la scène. Quand je monte, c'est en fonction aussi du public. Parce que si on t'appelle dans une conférence où il y a son excellence, monsieur le président, de façon qui est là avec les ministres, bon, il y a une manière aussi de presser là-bas. Mais quand je suis peut-être avec les jeunes, le grand public, donc il y a cette manière aussi de s'amuser, au fait. D'accord. Voilà. Alors, cette émission se veut utile, agréable, mais se veut aussi commerciale, les gars. Et donc, on va aller chercher l'argent ensemble. C'est bon moment pour vous. Allez, c'est parti pour la pause publicitaire. Nouvelle eau.
né d'une source minérale et filtré par plusieurs couches de roche. Idéal pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir. Un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. Canal Plus présente Star Kids Afrique, le programme qui permet aux enfants de se former, de vivre une belle aventure et gagner des lots incroyables. Excellente nouvelle, en plus des enfants de Ouaga et Bobo, ceux de Waigouya et Tinkodogo peuvent désormais s'inscrire. Si tu as entre 6 et 17 ans, tu chantes bien, fais une vidéo de toi-même avec ton téléphone. Pendant que tu chantes, envoie-nous la vidéo au www.orange.bf/fr/star-kids.html ou sur WhatsApp au +226 64 28 28 28. Attention. Attention, date limite des inscriptions le 31 mai. Autorisation parentale obligatoire. Casting prévu le 5 juin à 9h à l'Institut français de Ouagadougou. Infoline 64 28 28 28. Facebook Star Kids Afrique. Star Kids avec Apex Lubrifiant. Donne une nouvelle vie à ton moteur. Tu as trouvé. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnou dem café waka. Bala boura ya bedere en nomé. Aras le pit pora. Ne koni sigatala. Akachani santanye ne di brun le sugadi. Ayo, yimbe so no abaga membe en dippe boulangerie wene kot ona wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wenkonta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wenkonta vous souhaitent un bon mois de carême. Golden et de Tubo 226 qui lui vient de Bodulaiso tandis que Tedman lui vient du Niger. C'est comme au Nigeria, ça va? Ça va le bien. Showbiz, ça oui. Passe bien. Très très bien. Au passage, autoprod ou prod? Tout va bien. D'accord. Non, tu es en autoprod ou bien une maison de production? C'est moi qui ai fait mon production. Ah d'accord. Voilà. Tubo et toi? Oui, c'est l'autoproduction aussi. L'autoproduction, c'est quoi avec tout ce talent là? C'est quoi non, ici, hein? Non, franchement, je ne sais pas. Donc, je continue d'avancer toujours comme ça. Je comprends rien. Parce que les gens, ils parlent produits épais des artistes ici. Même tu as approché personne pour t'aider. Il dit demain, il faut venir. Demain, tu viens de fermer sa porte. Il ne veut pas rentrer. C'est grave ça. Sinon, depuis tes rapports avec les autres artistes.
Oui, j'ai gagné beaucoup des amis ici. L'ami que j'ai gagné ici, moi je ne gagne pas les amis. Sanabob, tu vois. Voilà, c'est mon ami. Ah, ah ok, super. Voilà. C'est Sanabob. Sanabob. Oui, c'est mon ami. Ça se calme déjà. Non, mais c'est que tu as vu tout le monde. Ouais, ouais. Je sais pas. Donc, tu vois, toi, ta relation avec tes confrères du milieu. Oui, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis à Tissawaga ici. D'accord. Mais hormis le volet de la production, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu rencontres dans ce domaine? Bon, oui, bien sûr. Le problème de communication. Parce qu'une chose est de produire, une chose est de faire un son, une chose est de faire un clip. Mais après, il faut les moyens pour faire la communication. Et là, quand on a une autoproduction, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Parce que je me dis aussi que, bon, il y a beaucoup de producteurs qui ne viennent pas parce qu'ils se disent que est-ce que j'ai les moyens nécessaires peut-être pour produire tel artiste, peut-être qu'il y a déjà eu un certain niveau, parce que la production demande beaucoup de moyens. Par exemple, si tu vois le dernier, la dernière production de l'artiste qui a un certain niveau, bon, si tu dois venir le produire, il faut que les produits que vous fassiez sortir soient plus au top que ça. Bon, si tu n'as pas ces différents moyens là aussi pour faire ça, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. En tout cas, nous on vous souhaite bonne chance pour la suite. Super. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, bon, hein, les gars. Allez, voilà. Bon, et toujours. Hein. Voilà, ici c'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Ouais. Voilà. Et ben, nous on voulait bien continuer l'émission avec vous, mais malheureusement on sent que vous n'êtes pas ferré. Ah, et quand on regarde le ouais, tu vois, on sent que vous, il n'y a pas le popato, il n'y a pas le côté soubrelele de votre sein. Ouais. C'est juste à cause de ça qu'on va se dire partiellement au revoir. On vous donnera la moitié de la route, mais vous allez pouvoir revenir. Je crois qu'on a la moitié, tu peux revenir quand tu veux. Ouais, voilà. Mais avant, ça, un contact pour vous booker. Oui, tout à fait. Moi, c'est le 75. D'accord. 75-27-15. Tellman, je ne sais pas si puisque tu n'es pas trop, tu es de passage, est-ce qu'il y a un contact quand même qu'on peut laisser? 76-52-43-72. D'accord. On souligne que vous deux, sur le marché, vous avez vos CD disponibles. Oui, tout à fait. Vos albums qui sont disponibles. C'est disponible aussi sur les plateformes légales de téléchargement aussi. D'accord. Ouais. Et Tellman, toi, tu as ton troisième album. Hein? Yes. Waouh, chapeau. Alors, merci une fois de plus, les gars, et on va vous raccompagner avec déjà ton délice à toi. Hein? Ouais, Chérie-Anne. On va kiffer pendant que notre chérie aussi à nous va s'installer, la présidente des affairés du Burkina Faso. Allez, où se prend Camilla. Charlie Kamikaze on the beat. Big Chobase, original Afro dance on la miose. Yamate. Moi j'aime toi la petite là, mais elle me dit nana. Elle me dit nana. Ça me rend dingue suicidaire. A chaque fois je l'appelle ou je le crie, mais la petite là elle répond. Il me faut des solutions, man. Donc je cherche ses forces et ses faiblesses. Mais quand je pose mes équations, philosophie mélangée à la soustraction. Je cherche, je découvre en fait que la petite là elle aime danser. Reggae, reggae, dancehall. Reggae, reggae, dancehall. Bon, c'est pas grave. Comme c'est déjà de l'instant Congo ça, on va partir pour le frigo de Kampala.
mais ça va, en tout cas. Oui, ça va, Lille, ça va bien. Oui, super bien. Salut, les gars. Salut, bonne arrivée, mais ça va. Merci. Tu fais bien de prendre place à mes côtés. Tu as vu ça? Oh là là. Bien. Alors, le frigo de Kapala, congelé chaud. Bon, en tout cas, on conclut qu'il n'y avait pas le courant Kapala deux jours, donc le frigo est chaud. Tout le frigo de Kapala est tout le temps chaud. On va commencer par Hervé Ola et San Remy. Oui, on va commencer par Hervé Ola et San Remy. Ah. Voilà, nous connaissons tous Hervé Ola, nous connaissons tous San Remy. Ouais. Voilà. Donc, lors d'une émission télévision, il y a Hervé Ola qui a parlé, il a précisé, je cite, « Il faut que les réalisateurs burkinabés arrêtent de tourner des clips à l'extérieur du pays, ça n'a pas de sens. » Alors, San Remy a répondu, pour lui... Il dit, j'ai déjà tourné partout au Burkina et je continue toujours de valoriser nos ressources. Mais si demain un scénario de clip nécessite qu'on parte tourner à New York, nous irons. Alors c'est un commentaire qui a beaucoup affolé la toile parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'avis. Les avis étaient vraiment partagés. Il y en a qui disent en fait que Hervé, d'une part, il a raison parce que c'est un moyen aussi de contribuer à plus valoriser le Burkina, à mieux encore faire connaître le Burkina du grand public. Et aussi il y a d'autres qui disent qu'en fait il n'a pas raison parce que quel qu'en soit, c'est vrai que c'est le Burkina, mais on est dans un contexte de show business. Donc là, on veut chercher de l'argent. Et s'il y a des scénarios, s'il y a des clips qui nécessitent de voyager, donc il y va de soi que les réalisateurs, que les artistes optent pour voyager. Alors, donc, il faut aller que dans le concept, en fait, dans le contexte, San Remy est le réalisateur de Kayawoto. Donc c'est à travers les clips, le clip Toro qui a été tourné donc, à Dubaï. Ok, vous avez parlé. Mais quand Hervé, on a fait son poste là, est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Non, c'était lors d'une émission télé. Ils étaient ensemble, en fait. Ils étaient visibles. En fait, ils sont répondus. C'est entre eux. Donc, c'était quelque chose qui était visible. C'est ça, en fait, le problème. Moi, il parle, monsieur, devant moi. Je ne parle pas de toi. Tu es vrai, on est assis ensemble. Mais j'ai dit ma phrase. Est-ce que je t'ai piqué? Moi, perso, je sais qu'il y a des artistes qui quittent même en France pour venir faire des clips au Burkina. Tout dépend du style, de l'émotion qu'on veut faire. C'est comme ce que Star Emi a dit. Il dit, en fait, ça dépend du scénario, en fait, du clip. Donc, s'il y a des scénarios qui exigent, qui nécessitent qu'on sorte hors du pays, c'est tout à fait normal. Il y va de soi que oui, ils vont se déplacer. Mais dans tous les cas, c'est la culture burkinabé qui gagne. Donc, voilà. D'accord. Alors, Fion de Bior, cette fois-ci, on va déplacer nos valises, on va s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que, donc, tu vois, non, le Congo, ça, là, on se balade. Ouais, on n'est pas seulement au Burkina, c'est international. C'est important. C'est Nyomi, elle est doux. Ouais, Nyomi, elle est vraiment doux actuellement. C'est un carême là. Il s'agit de quoi encore, Nyomi et quoi? Ou c'est autre chose? Non, actuellement, il ne s'agit pas de Nyomi. Elle, il faut dire que c'est vraiment le moment de Fion de Bior. C'est son temps qu'on dit quand ton étoile brille, là, ton étoile brille. Ouais. Après le succès de Nyomi, elle est, nous avons tous appris qu'il y a sa fiancée qui est enceinte. Ah, d'accord. Donc ça, c'était une belle nouvelle qui a vraiment plu aux gens. Et en plus de ça, vu que c'est un homme capable, il a décidé, oui, il a décidé de l'officialiser. Parce qu'il y a un tout bébé qui vient, tout petit Fion de Bior qui vient. Donc il est parti, il a fait sa présentation de famille. Il est parti se présenter officiellement. Il a dit, ouais, je suis prête à prendre ma femme et mon bébé. Alors c'est quelque chose de vraiment salutaire. Et sans oublier aussi le fait qu'en période de carême aussi, c'est vrai, c'est un moyen de faire des dons pour avoir beaucoup de bénéfices. Il a décidé d'aller en banque, de retirer une somme d'argent qu'il a. Il a pris des billets de 500, qui s'est baladé un peu partout en Abidjan et il a distribué un peu à tous ces jeunes-là qui sont au bord des routes en train de se battre pour avoir le pain quotidien. Ouais. Alors c'est quelque chose à saluer et vraiment félicitations à Fion de Bior pour toutes ses gloires. On va rester dans les félices, mais cette fois-ci, on aura fait des félices au, au Nigérien. Okay. Voilà le pays de Tedman d'ailleurs. Ouais. Alors, on va commencer par Chidima. On va commencer par Chidima. Chidima a décidé de devenir chanteur. Voilà. Donc, elle n'est plus dans les... comment on va dire ça? Oui, c'est... Voilà. Donc, actuellement, elle est dans la musique religieuse. Elle a décidé... À fond, oui. Elle a décidé de vraiment glorifier Dieu, de porter sa voix en l'honneur du Seigneur. Et c'est quelque chose qui a vraiment plu à ses fans. Contrairement à ce que beaucoup s'attendaient, ils se disaient, mais oh, tu nous faisais vraiment rêver avec tes mélodies. Pourquoi aller de ce côté-là? Mais ça a vraiment plu aux
la collaboration avec Emile Le Chancel, non Gafo. Mais pour l'instant, en tout cas, Chidi m'a fait son choix et tout le monde l'accompagne dans ce choix-là. Il a même fait sortir son single Jehovah Overdo. Donc c'est un vrai chic-son. Exactement. Claire Baïbis. Alors, Côte d'Ivoire, Nigeria. Ligne, attends, aussi, tu as devenu chanteuse. Je le suis déjà. Je le suis déjà. C'est pas un secret pour tout le monde. Ok, d'accord. Donc, attendez-vous au son de Ligne. D'accord. Alors, on va terminer avec Alex Ukobu. Ah, vraiment, les hommes là, des jours là, ils sont décidés, hein. Ils sont vraiment responsables, ils sont très amoureux. Voilà, il y a un acteur nigérien, Alex Ukobu, qui a décidé d'officialiser aussi sa femme. Il a fait sa demande. Le beau gosse. Le beau gosse. En fait, c'est. Il a fait rêver plus d'un, ce c'est gars. Ce que je voulais dire. Là, ça a choqué vraiment les filles parce que c'était triste. On voit le commentaire, il y en a même qui pleuraient, disaient non, notre beau gosse, il est officialisé, nous on a perdu nos chances, tout nous a trahis. Il est toujours beau gosse, non, bien, opportunité pour elle en fait. Elle voulait déposer leur candidature. Elle voulait se présenter, voilà, pour être la dulcinée. Malheureusement, il y a une qui nous a dévancé. Mais bon. C'est ça en fait. Elles sont jamais prêtes à aller. Mais quand quelqu'un se marie maintenant, on commence à dire non. Pourquoi tu m'as laissé et tout. Ça me rappelle un peu le truc avec Singila en fait. Parce que Singila a annoncé qu'il a une fille maintenant. On a ici, bien sûr, Singila, il est père de famille. Oui, je sais. Les célibataires, elles ne sont pas engagées. Voilà. Elles sont là et te regardent de loin. Maintenant, quand elles commencent à entendre que tu es mariée, elles commencent à pleurer. Bon, je ne comprends pas. Non, le problème, souvent, c'est quoi? Aussi, c'est l'intimidation. Elles se disent que ce n'est pas évident si elles partent avec ces personnes qui sont vraiment très connues. Elles n'auront vraiment pas de chance. C'est tout. Si tu es femme de lui, vas-y. C'est pour les violents. Alors, on va rester dans les félices tous les jours. Et on va terminer cette émission en beauté. Ouais. Mais cette fois-ci, on va fermer le frigo de Carpala. Voilà. Bravo. Et on va gratter un peu les unités de la matinale, si on peut se permettre comme on va imiter un peu la matinale en souhaitant joyeux anniversaire à cette très grande dame, cette diva de la musique africaine, burkinabé. Il s'agit de Amity Mia qui célèbre sa 55e bougie aujourd'hui. Et c'est vraiment une grâce, quoi, une très grande bénédiction. C'est l'une des pionnières de la musique afro-urbaine ici au Burkina Faso. Elle est toujours jeune, elle est toute belle. Non, pas du tout. 55 ans. Donne le secret par ici. C'est qu'en 5 ans, toujours belle, dame vocale impeccable, physique, tout est clean quoi. Et en plus, elle a une très belle plume parce que ces temps-ci, je la suis un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle écrit très bien. Ouais, et puis, elle a fait son mythe à elle, genre avant et après. C'est tout, elle reste toujours belle. Toujours belle. Quoi. Aussi, elle accompagne aussi la nouvelle génération. Hein. Elle est toujours à leur côté, en train de les soutenir. C'est quelque chose à saluer. En tout cas, que cette nouvelle journée qui s'installe sur votre visage soit celle de la prospérité, de la grâce, de l'épanouissement social et total, mais surtout de la santé, de faire la longévité. Parce qu'on veut encore vous souhaiter joyeux anniversaire, vous célébrer pendant longtemps. Amity Mia forever. Allez les gars, c'est fini? C'est fini, d'accord. On se donnera rendez-vous quand? Demain. Avec la même joie? Comme toujours. Ne me sois pas la phrase. Tu me la gardes. Non. De bon aloi. On vous aime, on vous adore. Par ici, nous vous serons toujours éternellement reconnaissants. Car c'est grâce à vous que le McDo aujourd'hui, ce talk show incontournable, ce talk show qui est le meilleur des talk shows du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Allez, merci surtout de nous aimer, mais de ne jamais oublier que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, à demain famille.